Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer 10 choses que vous pouvez faire si vous êtes de passage à Cancun, Playa del Carmen et même Tulum. On se voit tout de suite. Aujourd'hui on part visiter Chichen Itza et je vais vous montrer toute cette journée. Peace guys. Je pars essayer El Fogón ici sur Playa del Carmen et je vous partage ça de suite. Oui, on est parti pour une excursion sur Isla Mores. Je vais tout vous partager. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Peace. Je reviens de ma deuxième excursion. Avec ce petit endroit là, je mettrai vraiment le lieu et les contacts. Ils ont vraiment été top. Si vous êtes de passage à Playa del Carmen, je vais vous recommander maintenant ces deux endroits ici. C'est de la street food et un marchand de fruits comme ça. C'est vraiment top. Ça fait je pense la quatrième fois que je viens ici. J'adore. Je vais vous partager ça de suite. Peace. Arriver ici à la Blue Cenote, on va un peu voir ce que ça donne, ça a l'air magnifique. Alors aujourd'hui on part direction Tulum. Allez, ferme ça vite fait. Je vais aller maintenant prendre le Colectivo, c'est pour moi le meilleur moyen de se déplacer ici au Mexique. Je vous montrerai un peu comment le prendre, c'est vraiment super facile, c'est pas très cher ici, je pense qu'on va payer peut-être 2,50€ pour aller jusqu'à Tulum de Playa del Carmen. Donc voilà, je vais vous montrer ça, je vais faire un petit stop avant au 7-Eleven, c'est encore un endroit que j'adore ici pour les petits cafés. Si vous avez regardé mes vidéos du Canada, vous savez bien que j'aime bien ça et ici ils ont plein de goûts. Je vais vous montrer aussi, donc tout de suite. C'est ici que je vais prendre le petit bus pour aller à Tulum. Beach. Je venais un peu scouter un spot comme ça pour ce soir, vous pouvez voir c'est magnifique. Et je suis tombé par hasard sur un groupe de gars qui coupaient des noix de coco. Et ils m'ont offert ça gratuitement, ça fait super plaisir. Oh là là, c'est magnifique ici. Regardez, je sais pas si on peut voir sur la caméra comme ça. Alors il y a un peu de sarcasme, ça c'est toujours comme ça au Mexique. C'est un peu triste, mais en tout cas il fait magnifique ici.